faites-vous? Il est 1h du matin. Moi, je vais vers la cuisine, du coup. Ouais. Tu descends la cuisine. Je la suis. Docteur Gisèle te suit. Docteur Misère te suit. Et Docteur Philibert. Bah, je vais suivre aussi. Hein, vraiment, Vous descendez. Pas envie de rester toute seule vu ce qui se passe par ici. Tu vois, vous. Bon, le docteur de Sinclair vous montre un peu ces taches mêlées à la boue, mais qui disparaissent dans les marches. Vous arrivez en bas. Le feu est en train de diminuer. Mais il fait toujours aussi bon. Que faites-vous? Par rapport aux traces, du coup, comment ça se passe là dans la cuisine? Les traces sont terminées dans les escaliers. D'accord. Elle s'effaçait au fur et à mesure, elle s'effaçait, et dans les escaliers, il n'y avait plus de traces, quoi. T'as pas pu voir plus loin qu'au milieu des escaliers. D'accord. Est-ce que dans la cuisine, il y a des choses comme, par exemple, des gros couteaux? Oui, tu peux trouver un gros couteau, bien sûr. Et aussi le couvercle d'une grosse marmite. Le couvercle d'une grosse marmite? Oui. Arrête de jouer à Zelda. Ouais. Tu peux si tu veux. Très bien. Vous la voyez, hein, le docteur. Est-ce que je peux lui rajouter Sinclair une passoire sur la tête, s'il te plaît? J'y ai pensé, mais... Tenez, professeur, il vous manquait ça. Bien. Mais docteur Philibert, vous étiez là il y a quelques minutes, non? Oui, mais j'ai rien vu de particulier. C'est lui. Je pointe mon couteau. D'accord. Vous êtes sûr, professeur? Moi, je dormais près du feu, moi. Eh bien. Et là, vous connaissez pas Docteur Philibert. C'est la première fois que vous le voyez aujourd'hui. Hein. Oui. Et c'est la première fois que... Vous ne savez même pas si c'est vraiment un docteur, parce que vous ne lui avez même pas posé de questions sur ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. Il a peut-être chopé un masque sur quelqu'un et il s'est mis sur la tête. Et enfin, je me fais l'avocat du diable. J'aime bien quand le MJ fait en sorte que ce soit le Dawa. Mais moi, je pense que dans tous les cas, s'il y avait un bail comme ça, il l'aurait juste pas dit, en fait. Oui, c'est possible. Bah oui, ah, déjà. Mais peut-être j'aurais fait l'inverse aussi. Oui, peut-être qu'il est troisième degré. C'est cela, oui. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Peut-être bien non. Ok. Bon, est-ce que si on fouille la pièce, est-ce qu'on trouve quelqu'un ou quelque chose ou... Dans la cuisine? Là, vous êtes dans la cuisine, vous êtes descendu. Oui. Est-ce qu'il y a des fenêtres? Il y a des fenêtres. Je sais que Charlie, elle est en train de regarder le plafond, que l'autre, elle est en train de s'équiper avec les ustensiles de cuisine. Vous fouillez, mais vous ne trouvez rien, pas de traces de boue, pas de traces de pas, pas de traces d'armes ou de quelque chose qu'on aurait laissé. La cuisine, elle a un accès vers l'extérieur? Alors, c'est vraiment très basique. Hein. C'est une cuisine avec qui fait un peu office de salle à manger en même temps. C'est dans la même pièce avec la porte que tout le monde prend pour aller dedans et dehors. Hein. Donc, c'est vraiment tout dans la même pièce. Puis après, vous avez une porte qui mène à l'étage. C'est... Voilà. C'est pas... Okay. Je vais aller devant la porte d'entrée et je vais regarder s'il y a des traces. Même si je pense que vu qu'on est passé à 12 000 dessus, bon, on va pas avoir grand-chose. Il y a quelque chose qui me frappe. Ouais. Notre stupidité. Tu ouvres la porte, tu regardes un peu à l'extérieur, tu vois la pluie qui s'abat, hein, qui remplit toutes ces... Il y a énormément de marques de pas dans la boue qui partent un peu de partout. Tu aperçois Anselme et le capitaine de Barnève en train
de s'occuper de Geoffrey, hein, qui sont en train de le mettre, de l'envelopper dans une espèce de bâche où tu vois pas très bien. Mais là, impossible de voir les pas, il y en a énormément. Et le capitaine reste à la porte et Anselme revient et... Alors, vous avez vu quelque chose de spécial ? Non. Non. Il y a de la boue dans les escaliers, mais... Ouais. Ça semble mener à la cuisine, mais il n'y a plus de traces dedans. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Pauvre Geoffrey. Mort comme ça, est-ce qu'il aurait pu se suicider ? Bon, ouais. Eh bien, je pense qu'il est temps pour nous de s'en aller. Faites pas attention, je montre le couvercle de marmite, le coup de corps. Que faites-vous ? Vous cherchez un poste de soldat, docteur ? Elle cherche les poules. Non, je m'équipe pour me défendre. Je comprends bien. Vous êtes sauve. Je vais regagner ma chambre. J'ai besoin de me reposer. Je sais pas si je pourrai dormir, mais capitaine compte sur moi pour le relever dans ici une paire d'heures. Je ne suis pas sûr qu'il soit si fin de nous séparer de nouveau alors que un meurtre vient d'être commis au sein même poste de frontière. Voulez-vous que je rassemble tout le monde ? Eh bien, peut-être que si nous dormions tous dans la cuisine, nous pourrions éventuellement... Du coup, vous entendez un cri. Rassurer. Un cri de femme à l'étage. Oh putain, ça va pas recommencer. Allez, et ben je cours dans les escaliers, 4-4. Bon, non, on y va tous alors, hein. Oui, on va la suivre. Du coup, vous vous précipitez avec Anselme, qui vous suit, et vous voyez frère Lucius qui arrive en même temps que vous, hein, qui sort de sa chambre. J'ai entendu crier, je crois que ça vient de la chambre de Adeline. Et vous rentrez dans sa chambre et vous la voyez allongée, morte sur son lit, remplie de son sang. Elle a un poignard planté dans le cœur. Je vais voir le poignard, s'il n'y a pas des trucs distinctifs dessus. Rien, basique. Pas de manche normale, lisse. Une lame un peu éméchée. Tu vois les deux hommes qui sont là semblent terrifiés. Et il y a le capitaine qui arrive. Ce n'est pas possible, c'est une blague. Qu'est-ce qui se passe, Anselme? Je n'ai rien vu, j'ai entendu des cris. Vos doutes sur les docteurs, ne, ils étaient avec moi, ce n'est pas eux. Ne vous en prenez pas à eux, capitaine. On était ensemble. Que faites-vous ? Je fais le tour de la pièce. Tout le lit, les murs, le plafond, la fenêtre. Tu regardes. Rien de spécial. Tu vois une boîte avec des bijoux, par contre. Personne t'a vu la voir. Ah, il y a du monde dans la pièce. Je passe un jet d'esprit si tu veux tenter quelque chose. Mais... Oh bon. C'est un peu ton... ta capacité, ouais. T'as du mal à résister, en fait. Je vais essayer de chourer un truc, pas la boîte en entier. Ne le loupe pas. Tu prends la chaîne la plus épaisse en or que
tu glisses dans ta sacoche et tu te retournes direct vers le capitaine qui est en train de parler avec Anselme. Le capitaine semble s'asseoir sur le lit et ferme les yeux de Dame Adeline. Il semble profondément attristé par cette perte et lâche son arme à terre et commence à lâcher prise. Je vais jeter un petit coup d'œil au corps, les mains, je sais pas, n'importe quoi, voir s'il y a autre chose qui pourrait nous dire quelque chose. Il y a ce poignard qui est planté, le sang sort de sa bouche. Elle est morte sur le coup, clairement. Il n'y a pas de traces sous ses ongles, elle ne s'est pas débattue. Apparemment, ça a été assez bref. Elle n'a pas d'autres marques, pas de coups, pas de bleu, pas d'échymose, rien du tout. Juste ce poignard dans le cœur. Trace de boue ? Non, pas de trace de boue. Et là, le capitaine se relève et dit, écoutez. Quelque chose se passe et nous devons rester ensemble. Je ne pourrais pas supporter la perte d'une autre personne. Rassemblons-nous dans le salle, dans la salle à manger. Mais avant, Anselme, aidez-moi à ramener Dame Adeline. Du coup, ils s'exécutent. Ils reprennent encore cette femme et qui ramène au même endroit. Vous descendez. Enfin, à vous de me dire, frère Lucius est avec vous. Que faites-vous ? Lui descend en cuisine et après avoir fait sa prière. Vous êtes encore dans la chambre de Dame Adeline. Moi, je vais aller avec les deux gars, histoire de laisser personne tout seul. Très bien. On t'accompagne, tu les aides. Tu vois le frère Lucius qui s'assoit en face de la cheminée, et qui ouvre une sorte de Bible et qui commence à lire tout en faisant des signes de croix. Pendant que Docteur Misère, Docteur Emilienne de Saint-Clair et Docteur Philibert, vous êtes toujours dans la chambre. À vous regarder, pensif. Je ne sais pas. Bah non, moi j'ai dit qu'on descendait dans la cuisine. D'accord. Donc vous descendez tous. Oui. Bah moi oui. Okay. Oui, voilà. Je prends pas de décision pour les autres, moi. Que faites-vous ? Quelle heure il est ? Il est 2h30. J'ai l'impression que c'est hanté ici. Écoutez, moi, si on entend encore un cri, moi, j'y vais pas. Je propose qu'on se casse. Me casserais bien, mais peut-être pas au milieu de la nuit non plus. On peut déjà éliminer pas mal de monde. N'est-ce pas ? Oui. Nous étions tous dans la cuisine. Déjà, nous quatre, nous n'avons rien fait. Et puis ensuite, le capitaine qui discutait avec vous qui est-ce qui était en train de... Anselme, qui était en train de déposer le cadavre de Sœur Geoffrey de Brumecourt, était à l'extérieur. Frère Lucius ? Quand tu dis cette phrase... Interrompez-moi, alors, parce que je me trompe, mais... Oui, le frère Lucius, hein, qui... Au moment où tu dis ça, il se lève, il pose sa Bible sur le coin de la table et il regarde à la fenêtre et se dirige lui aussi vers le capitaine et Anselme et le docteur Gisèle. Comme s'il avait entendu un peu ce que tu avais dit.
C'est lui, il faut le tuer. Qu'est-ce qu'on fait? Bah oui. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Mais non, mais je regarde, moi, je regarde Emilienne et Philibert. qu'est-ce qu'on fait là? Mais on se casse. Comment ça se passe? Je veux dire, nous, on a une enquête à faire. On a une mission là. Le roi, il compte sur nous, d'accord? Moi, je peux rien pour ces gens en fait. Hein. Le château, enfin, c'est pas un château, mais le poste, il est hanté. Bon, bah tant pis, hein. Ils ont qu'à partir aussi. On n'a qu'à leur proposer de venir avec nous, sauf le religieux là, hein, parce que c'est lui. Hein. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Excuse-moi. Moi, je vais me rapprocher de Gisèle et du capitaine et puis je vais regarder le frère Lucius. Je veux dire, je dois admettre mon père, frère, j'ignore comment on doit, enfin, je sais pas comment on s'adresse lors de cette aria là. Mais bon, je vous confie mon frère que un grand trouble m'habite puisque il semblerait que vous soyez le seul qui n'ayez pas d'alibi. Vous m'accusez, moi, d'une telle atrocité? J'essaie d'utiliser la logique. Je comprends bien, mais comment pourrais-je faire ça? Avec un couteau. Quel intérêt pour moi, homme de l'ordre de Solaria? On ne sait pas si vous êtes corrompu par une grosse bestiole. Hein, Bestiole? Il semble un peu perturbé par les dires, et capitaine qui... Et ce n'est pas faux, frère Lucius. Comment expliquez-vous ça? Je ne l'explique pas, capitaine. Bras. Mes bras? Ouais, oui, montrez vos bras. Oui, tout le monde ses bras. Et les traces? Non. Je comprends les doutes, la suspicion qui peut y avoir, mais je ne suis pas un assassin, capitaine. Jamais je pourrais faire une chose pareille. À croiser des gens qui le faisaient bien malgré eux, vous savez. Des adeptes de Solaria? Non, des vicomtes. Docteur Philibert, toi tu es resté dans la cuisine? Non, moi je passe. Non, vous êtes tous seul, dehors. Tout seul, moi, tu rigoles. Hein. Puis je surveille les carafes. Hein. Ah, d'accord. Je surveille les carafes qui volent. Qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Vous voulez me couper la tête, c'est ça? Oula. Non, mais vous allez beaucoup trop loin, voyons. Non. Juste, nous aimerions vous interroger quant à vos motivations face à l'assassinat de ces personnes. Je m'embrouille. Mais peut-être que ce n'est pas vous, effectivement. Vous pourriez nous démontrer que vous n'êtes pas coupable. Comment pourrais-je le faire? Peut-être que vous avez un alibi, je veux dire, peut-être que je vous dormais dans ma chambrée, j'ai entendu les cris, je suis sorti, je vous ai croisé. Que puis-je dire de plus? Ça, c'est pour le premier. Pour le deuxième, j'étais le plus proche d'Amadeline. C'est bien pour ça que... Et je comprends vos soupçons. Mais quelle... peine. Il semble quand même très mal à l'aise. Est-ce que ça parle à quelqu'un, le couteau? Je regarde le capitaine et Anselme. Vous le connaissiez? Ça vous dit quelque chose? C'était un poignard qu'il y avait dans la cuisine, mais il n'avait pas de propriétaire, proprement dit. Anselme, attaché frère Lucius. Tu vois quand Anselme prend les cordes et lui attache... Mais que faites-vous? Voyons. Je suis désolé, frère Lucius. Est-ce qu'avec ma spécialisation d'hypnotiseur, je pourrais interroger le frère Lucius? Ouais. Oui.
Comment on fait pour avoir des pouvoirs utiles? Ouais. Il faut faire des bons jets. Moi, j'ai qu'un seul bras, putain. Tu peux, ouais, il y a plein de choses que tu peux pas t'as faire. Spécialisé, c'est... Ta spécialisation, c'est manchot. Tu peux quand même jouer au volet, hein, avec un bras. c'est ma... Je crois que c'est mon signe particulier. Signe particulier. Ah oui, c'est pas... Moi, j'ai juste une besace tachée de sang, mais bon. Ah, vous voyez sa besace, justement, du docteur Philibert, qui est tachée de sang, hein. Ça vous rappelle. Mais ça fait... C'est du vieux sang, maintenant, hein. Mais bon, il est... T'étais pas... Je suis pas soupçonnable, pour l'instant. Bah non. T'étais avec eux... Donc, j'hypnotise... Bon. J'hypnotise le frère Lucius. Regardez-moi... Je prends mon pendule, regardez mon pendule. Alors vous retournez un peu dans la cuisine, j'imagine, pour faire ça, vous mettez un peu au sec. Je balance le pendule devant le frère Lucius. Et vous êtes tous ensemble, vous entourez, vous voyez le docteur Philibert qui est en train de perdre son numéro. Et tu me fais un jet d'esprit avec 2d6. Alors, un jet d'esprit avec 2d6. Ils sont tous les deux réussis. Donc, qu'est-ce que tu lui dis? Tu vois, il est assis, il a les mains enchaînées. Frère Lucius. Il est très mal à l'aise. Dites-nous tout. Quel est votre trouble? Tu vois, il commence à respirer un peu plus rapidement. Il regarde, il y a le capitaine qui fait les 100 pas. Anselme est à la porte. Avez-vous quelque chose à voir dans ces morts? Oui. Il y a ses yeux qui sont un peu vitreux. Comme si... Expliquez-nous ce que vous avez fait. Moi, en attendant, je vais chercher le couteau qui est planté dans la dame. On est dans une cuisine, hein. T'as pas besoin d'aller bien loin. Ah oui, bah en plus, j'en t'as ai un dans un les mains. Dans la main. Oui, j'en ai un dans les mains. Pardon. Pose ce couvercle de marmite. Non, jamais. Que voulez-vous savoir? Avez-vous tué Dame Ameline? Je me mets juste derrière lui avec le couteau prêt à l'égorger au moindre faux pas. J'ai été séduit par les promesses de la comtesse de Saint-Voile. Que vous êtes... Ha ! La comtesse de Saint-Voile, que vous a-t-elle promis ? C'est une femme puissante et impitoyable, à qui il est difficile de refuser quoi que ce soit. Elle m'a approché dans les premiers jours de la maladie qui a frappé notre région. Notre région si chère. Elle m'a promis une cure pour cette peste dévastatrice en échange de ma loyauté. Je n'avais pas le choix. Vous étiez malade? Non. Les gens... autour de nous sont malades. La région se meurt. Il fallait faire quelque chose. Elle m'a promis d'aider les gens qui souffrent si je lui obéissais. Mais elle m'a initié. Oui. Mais pourquoi tu aides Madeline? C'est compliqué. Elle m'a initié à un culte impie qui vénère une entité maléfique. Je n'ai pas eu le choix. C'était la seule façon d'enlever cette maladie dans ces terres. Vous voyez que Lucius frissonne un peu. Hein, il tente un peu pour... de lutter pour vraiment pas basculer de l'autre côté. Il essaie de se forcer à vous donner des explications. Il semble comme possédé, en fait. Il a ses yeux qui se révulsent. Et en bougeant, il y a une espèce
de parchemin qui tombe de sa bure au sol. La trappe. J'ai froid. Et donc vous avez tué aussi Sir Geoffrey? Oui, c'est moi. Ils m'ont donné le pouvoir de devenir invisible, à volonté. Un don qu'ils disaient être le fruit de leur lien avec une créature des ténèbres. Vous voulez montrer que vous devenez invisible? Montrez-nous ça. À ce moment-là, avant qu'il fasse quoi que ce soit, je dis notre habilis. Pardon ? Il te regarde, il arrête de bouger, il te regarde, fronce les sourcils et il disparaît. Et vous voyez les menottes tomber à terre. Je le tenais, je dis que j'étais prête à l'égorger au moindre moment. En fait, tu le tiens et au moment où il disparaît, il y a ta main en fait qui se serre, tu vois, toute seule en fait. Ah bon. Dites, par hasard... Mais quoi? Mais quoi? Pourquoi commencer à un trabilis? À croiser des choses très étranges qui ressemblent à ce qu'il a dit. Et non, c'est une entité démoniaque. Que faites-vous? J'avance à tâtons dans la pièce pour essayer de le trouver. Je sais pas. Est-ce que vous pourriez le faire réapparaître, docteur Philibert? Ce serait... Pas moi. Ouais, mais il était censé devenir invisible, pas s'échapper. Oui. Ouais, c'est ça. Il était immatériel en fait, on n'avait pas pris. Et c'était quoi le parchemin là alors? Il est par terre encore. J'ai dit je le prends. Bah, oui, il y a quelqu'un. Ah, j'ai pas entendu. Alors, il y a écrit. On s'en fout. Frère Lucius, tu dois causer la peur et la discorde au poste frontière d'Achaudevent. Utilise ta connaissance du terrain et ta capacité à te fondre dans n'importe quelle communauté pour mener à bien tes attaques en toute discrétion. Le maître alchimiste Vernon t'a concocté cette potion d'invisibilité si les choses commencent à devenir ingérables. Tue-les tous, la comtesse. Ah ! Il nous faut apporter ce message au roi le plus rapidement possible. Je le montre quand même au capitaine Arnaud qui se demande ce qui se passait dans son poste avancé. Voilà. Où est-il? J'avoue que je n'en sais rien, il s'est évaporé. Évaporé, ouais. Parce qu'il était attaché. Je suis pas loin. Il n'était pas attaché? Il était immatériel. Bah, apparemment, je sors mon épée prêt. Et je donne un coup dans le vide en me rendant compte que c'était totalement stupide parce que de toute façon il est immatériel. Ah, je sais, on est dans la cuisine. Attends, le parchemin. Non, le parchemin. De la farine. Attrapez de la farine. Utilisons la farine. Il est pas immatériel, il est invisible, c'est pas pareil. Bah, il est immatériel parce que les menottes elles sont tombées et moi je les menottes sont tombées et toi ta main c'est serré. On dirait que c'est bien transformé en vapeur quoi. C'était attaché et il s'est évaporé, oui. Oui. Donc, par contre, on l'entend là encore. Oui, vous m'entendez. C'est moi. Il y a cette voix un peu qui tourne tout autour de vous. De la farine. J'essaye de trouver de la farine. Et j'explose le sachet partout dans la pièce. Et tu vois, t'as une forme quand tu jettes un peu cette farine un peu partout. Vous en prenez un peu tous un petit peu, mais il y a cette forme qui, vous voyez, qui semble. T'as l'impression que ça fait quelque chose. Après, ça s'évapore et au fur et à mesure, vous voyez que ça. Il devient de moins en moins vaporeux. Il se met dans le coin de la pièce. Et je me tourne vers où il est, je mets mon bouclier face à moi et je brandis mon couteau. Vous voyez qu'il semble avoir il baisse la tête en fait, comme s'il serait submergé par la honte. Je suis désolé,
J'ai agi par peur et par faiblesse. La maladie avait déjà fait tant de ravages, et je croyais que la comtesse détenait la clé pour la stopper. Mais maintenant, je réalise l'horreur de mes actes. Je vous en prie, faites ce que vous voulez de moi, et mettez un terme à cette menace impie qui plane sur Saint-Voile. Et vous le voyez, qui baisse la tête et après vous avoir révélé ses sombres motivations et ses liens avec la comtesse de Saint-Voile et le culte impie, Frère Lucius se tait, ses yeux hantés et fixés au sol. Moi, je m'adresse au capitaine et je lui dis « Capitaine, que décidez-vous ?» C'est lui, hein, le patron. Attendez. Il y a une lourde atmosphère de tension quand même qui enveloppe la pièce. Entre le docteur Emilienne de Saint-Clair prêt à se jeter sur sa proie et le capitaine semble réfléchir et... Et Anselme, qu'est-ce qu'il en dit ? Il regarde le capitaine tout comme toi. Chacun de vous, on dirait que chacun, ouais, vous digérez les horreurs qu'il vient un peu de confesser. Puis... Oui. C'est tout de même étrange que cette maladie frappe ce pays à cet instant, alors que la comtesse est tout à fait capable de se débarrasser de... Je me demande s'il ne s'agirait pas finalement d'un simple stratagème politique agrémenté d'une certaine forme de magie ou de... Je regarde le prêtre. Quoi qu'il en soit, je pense, capitaine, qu'il faudrait ramener cet homme face au roi afin de démontrer à ta royauté que quelqu'un essaie de les chasser de cet endroit. Vous avez raison. Je vais, et en fait... Quand il dit « je vais », il est coupé. Vous voyez, il se retourne vers Frère Lucius qui commence à trembler violemment. Il y a son visage qui se tord de douleur. Il y a ses membres qui se contorsionnent de manière anormale. Je recule, j'ai déjà vu ça. Il y a ses cris qui deviennent inhumains dans cette pièce. Il commence à casser un peu les carreaux partout. Et il y a une sensation oppressante qui s'installe rapidement. Et Frère Lucius, désormais transformé en une créature hideuse et terrifiante, se dresse devant vous. Sa peau est devenue grisâtre et couverte d'écailles. Ses membres sont difformes, musculeux, et ses yeux brillent d'une lueur malveillante. Des crocs acérés dépassent de sa gueule déformée. Tout le monde recule de quelques pas, horrifié par cette transformation cauchemardesque. Il est dans le coin de la pièce, mais il fait le double de sa taille maintenant. Il est dénué de toute humanité. Il pousse un cri déchirant, un hurlement de rage mêlé à la souffrance. Il se jette sur vous, ses membres déformés devenant des armes mortelles. Je m'interpose et je donne un grand coup d'épée, puisque je l'avais dans la main. Moi, je me mets à prier. On utilise quelques caractéristiques pour ce pas. Ouais, je vais vous dire tout ça. Donc maintenant, vous êtes 4. Donc, c'est un affrontement sanglant. Car la créature est bien plus forte que vous. On est dans un système d'action complexe. Donc il va me falloir 3 succès pour l'un d'entre vous, pour que le combat se finisse. À chaque fois que vous allez faire un échec, vous allez pouvoir prendre de 1 à 3 dégâts. Non, vous perdez 2 points de corps si vous faites un échec. Donc, ce qui va se passer, c'est que celui qui veut agir en premier, il va me dire ce qu'il va faire. Il va jeter son dé.
Ensuite, ce sera à l'autre. Il va me dire ce qu'il va faire. Il va jeter son dé. Ensuite, au prochain, idem. Et à la... quand vous aurez tous jeté votre dé, je vous décrirai la scène. Vous vous rappelez ? Ouais. Yes. Donc, qui agit en premier ? On va dire soit le docteur Misère ou le docteur Sinclair qui était aux aguets. À vous de me dire. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Donc c'est un des 6 scores. Et c'est un échec. Alors déjà, il faut que tu me dises que tu, qu'est-ce que tu voulais faire. Bah, parce que je te l'avais déjà dit, en fait. Oui, tu me l'avais c'est déjà que, dit. C'est que je voulais lui donner un grand coup, lui parer. Il faut que ça soit la même personne qui fait 3 succès, c'est ça? Ouais. Ouais. Ça, c'est un échec. Ouais, comme ça, tu dois partager les décès des gens. Hein, c'est trop bien. On arrive tous les deux à 3. Et après, c'est l'autre, et bah, il dit que c'est tout grâce à lui. Ça me rappelle quelqu'un. Je vois pas de quoi tu parles. Les corbeaux, ils m'en ont pas parlé, ça. C'est un peu comme ça que j'ai survécu. Vous faites 3 échecs, vous êtes inconscient. Vous pouvez. Ah aussi. Du coup, c'est à moi? Que fais-tu, docteur Emilienne de Sinclair? Je vois docteur Misère courir sur cette grosse bestiole, donc je cours vers la grosse bestiole aussi, mais je me mets plus en position de défense avec mon couvercle pour essayer d'anticiper un possible coup de la bestiole et protéger docteur Misère. Très bien. Ah, bon, bah... Oh. Oh, bien. Ça me rappelle des souvenirs. Il est bien barré là. Docteur Gisèle, docteur Philibert, que fais-tu? Bon, moi j'ai bon espoir que on y arrive et je vais donner un coup d'épée à cette saloperie parce que je vois pas quoi faire d'autre. Donc vous plongez tous dans la bataille, on est d'accord. Peut-être pas moi, je vais voir. Question. pour l'instant. Question à 50 bouzouf. Anselme et le capitaine, ils bronchent pas eux. Pour l'instant, ils sont terrifiés. Le capitaine a lâché son arme et Anselme n'arrive pas à lever sa hache. D'accord. Ils sont tétanisés, fatigués, usés. Le capitaine semble péter un plomb, en fait. Clairement. D'accord. Donc, vous verrez ce qu'ils font à votre tour, mais de ce que vous voyez, vous l'avez vu lâcher son arme carrément. Et, ouais, et Anselme essaie de lever son hache, mais il est vraiment très faible, il tremble et vous voyez qu'il n'arrive pas à lever son arme, quoi. Vous l'avez remarqué qu'il a traîné, mais vous en saurez plus à la fin de votre tour. Donc je frappe ce qui était le frère Lucius. Un des 6. Un donc des 6. Un G sous l'esprit. Donc t'as 4 en esprit, c'est ça? Non, j'ai 3 en esprit. 3 en esprit. Et je rate. Je rate moins, mais je rate quand même. Ouais, ça passe. Docteur Gisèle, que fais-tu? Vu qu'ils sont à 3 dessus, je vais essayer de lui jeter un truc. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que il y a... Ouais, mais il y a le feu. Il y avait un feu, non? Ah oui, il y a le feu de le feu est en train de s'éteindre, hein, que je vous avais dit. Merde. Il est 2-3 heures du matin maintenant, le feu est clairement... Il y a quelques braises. Ok, bah du coup je vais rester de loin et je vais attraper une chaise et je vais lui jeter dessus. Très bien. Bien. Non, okay. Ça n'a rien à voir avec ça. Je pense que c'est une partie. Ah. Vous avez tous loupé. Oh lolo. Alors, ce qui se passe, les pranks. La première chose que vous voyez, c'est Dr. Emilienne Sinclair et Dr. Misère qui accourent vers la créature, l'arme en avant.
la créature leur envoie une espèce de coup avec ses protubérances osseuses, hein, qu'elle a dans ses mains. Et juste un revers avec sa patte gauche qui vient les exploser contre le mur. Vous perdez 2 points de corps et vous vous explosez. Vous sentez cette force surhumaine, hein, qui vous agresse. Et vous vous retrouvez toutes les deux assises par terre dans le coin de la pièce. Pardon, mais du coup, quand tu dis qu'on perd 2 points de corps, là, c'est sur mes 3 points de corps, j'en perds 2. Oui, tu perds 2 points de corps. Du coup, je suis à 1 point de corps. C'est ça. Et je dois faire moins que 1 maintenant pour taper. Non, c'est esprit, hein, pour taper. C'est pas le corps. Ah, d'accord. Ok. On tape encore tout ce que vous. Toutes les compétences, c'est vous usez l'esprit. C'est pas le corps. Le corps, c'est vos points de vie. Quand vous utilisez une compétence, c'est toujours sous votre esprit. On en a tous perdu 2. Vous deux, vous en avez perdu 2. Comme okay. Je vous avais dit, c'est une créature très dangereuse. Vous vous êtes jeté en avant sur elle. Vous prenez un coup. Revers, vous dégagez sur le mur. Le docteur Philibert vient juste après et prend lui revers de la droite. Pareil, et il dégage sur l'autre mur. Tu perds 2 points de corps aussi. Tu t'exposes, tu sens cette douleur qui te balance au niveau de l'estomac. Tu en perds ton masque. Il y a le masque qui tombe de ton crâne et tu viens t'éclater sur le mur. Oui. Docteur Gisèle, tu prends ce tabouret, tu jettes sur la créature, mais tu ne l'atteins pas en fait. Le tabouret vient s'exploser avant la créature. Tu ne perds pas de points de vie. Le tabouret perd 2 points de corps. Par contre, le capitaine se barre en courant, il prend la porte et il se casse directement. Anselme semble vouloir lutter, mais lâche sa hache et prend une épée et se dirige vers la créature. Et son tour, du coup, il peut rien faire, juste prendre l'épée. Deuxième tour. Réfléchissez bien. Ah, il y a de la farine dans la pièce, là, on est d'accord? Plein. Fais une pizza. Oui, il y a de la farine. Il y a plein de farine. En revanche, je vais mettre le feu. Le feu à la farine. Bah oui, en fait, c'était ça, une des raisons pour lesquelles le feu pourrait se répandre dans les boulangeries, c'est parce que la farine brûle bien. Oui, mais bon, c'est pas de l'essence non plus. Non, là, vous avez un sac d'un kilo, peut-être. Faut qu'elle soit pulvérisée. Tu peux tenter, mais est-ce que ça vaut le coup de tenter ton tour pour ça? Je ne sais pas, à toi de voir, à toi de me dire ce que tu veux faire, comment tu veux entreprendre le faire. Qu'est-ce que... fuir hein, sinon la créature a avancé, du coup la créature se retrouve au milieu de vous, hein. Vous allez au milieu, il y en a deux avec le docteur Emilienne de Saint-Clair et docteur Misère qui sont au mur nord, le docteur Philibert est au mur sud, le docteur Gisèle est au mur est, la porte se trouve au mur dans le coin, plus ou moins, un mur sud-ouest, sud-est. Et la porte des chambres se trouve, pour aller à l'étage, au niveau du coin nord-est. Que faites-vous? Moi j'aime bien l'idée de m'en aller. Bon, on a encore le papier, qui dit qu'il faut. Oui. L'ordre vous de. Ouais, vous l'aviez, dans les mains quand vous lisiez. Je pense que je vais prendre la mesure de la chose qu'on est en train d'essayer d'affronter, qui semble n'avoir aucune faiblesse. Et je me souviens que la dernière fois qu'on avait affronté quelque chose d'aussi énorme, on s'était barré en fait. Et je pense que je vais essayer d'attraper par exemple. Le docteur Sinclair qui est juste à côté de moi et essayer de partir quoi en fait. Et on est loin de mon fidèle destrier ou pas? Alors le cheval est dans la grange, il faut traverser la cour, mais déjà il faut sortir. Et voilà, vous êtes clairement en position où vous êtes entre la créature et entre les deux portes et vous quoi. Il y a pas une fenêtre? De passer,
C'est mon cas aussi. Un jet d'esprit. Je vais faire un jet d'esprit. Alors, je vais vous faire un petit plan si vous voulez. 5. Je ne vois pas de fenêtre. Pas de fenêtre à portée en tout cas. Alors, je vais vous faire un petit plan pour vous expliquer à l'ancienne. Oui, parce que là je visualise pas là pour l'instant. Et j'avoue, je peine aussi. Attention, hein. Tu fais un beau dessin maintenant, Jaker. Oui, c'est bon. Oui. Oui. Là, nous avons Kaku, pas Kaku, docteur Misère, docteur Sinclair. La créature est là. Nous avons le docteur Philibert ici. Nous avons le docteur Gisèle ici. La porte est là. Et l'autre porte qui mène à l'étage est là. Ok. Et Anselme est là. Et là, il y a un vide non, cosmique. C'est moi qui et moi, je pas, veux rentrer dedans. Non. Mal dessiné. Ne ferme pas le vide cosmique. c'est juste le crépi qui est un petit peu tombé sur le mur. Ah oh, zut. J'ai cru que c'était la fenêtre. Mais mal joli. C'est le vide cosmique. Poculu, poculu. Viens dans le vide cosmique. Viens vers moi. Oui. Yeah. Allez, bon. C'est votre deuxième tour. Dites-moi okay. Ce que vous faites. Moi, j'essaie de me barrer par la porte. Alors, on garde le même tour. Hein. On est maintenant que okay. On a pris le premier. Donc, docteur Misère. Docteur Misère, je vais donner un grand coup dans le docteur Sinclair et la propulser loin de moi avant de me jeter. Sur la bestiole, c'est l'épée juste au-dessus de la tête pour essayer de planter dans la. Donc c'était ton 5, gras. C'est ça. Non, le 5 c'était l'esprit pour la fenêtre. La fenêtre. Rien ah, oui, à voir. On sait jamais, ça peut passer. Non, tu fais pas ça, t'es pas méchant. Ah voilà, parce que ça marche en plus, ton plan. C'est noté. Vilaine comtesse, pas belle, pas belle. Docteur Emilienne de Sinclair, que faites-vous? On part du principe que c'est après qu'elle m'ait poussé ou pas? Non, c'est suivant ce que tu veux faire, ça peut annuler son action. Bah non, mais de toute façon, je voulais me diriger vers la porte, donc je m'élance vers la porte. Pareil, il me faut un jet d'esprit. Même pour bah la fuite, donc voilà, ça je m'élance pas. Ça va créer des situations en fait, suivant ce que vous faites. Je ne m'élance pas, je chie. Docteur Philibert. Bah moi effectivement, la porte est sur ma droite et j'essaie d'y aller. Aussi vite que possible, bien sûr. Donc, tu vas me demander un jet d'esprit. Un jet d'esprit, toujours. Et je le rate. Docteur Gisèle, que faites-vous? Bah, quand je vois que les gens commencent à se précipiter vers la porte, je vais faire pareil. Donc c'est une réussite. Pour le docteur Misère et docteur Gisèle, c'est une réussite. Alors, ce qui se passe, c'est que le docteur Sinclair essaye de partir et trébuche. Il glisse un peu par rapport à cette situation inexplicable. Et t'as le docteur Misère qui commence à partir et à te tirer. Et du coup, il y a cette créature qui balance un coup. Et grâce au docteur Misère qui te tire, tu vois, c'est cette protubérance qui se plante entre tes jambes, hein. tu vois la créature qui te regarde, il y a sa gueule qui se rapproche de toi, qui te bave dessus, et il y a cette protubérance qui est vraiment entre tes jambes, mais le fait est c'est que vous n'avez pas pu avancer. En fait, ton action annule un peu l'action de Docteur Misère, mais elle a permis quand même de t'éviter un coup fatal. Par contre, toi, Docteur Philibert, en essayant de prendre la porte, la tangente, la créature, comme si elle avait un œil derrière, te balance encore cette protubérance et te fait valdinguer. Hein. Tu tombes la tête la première sur le sol. Tu perds un point de corps. Bon. Le docteur Gisèle, tu arrives à la porte. Tu as ton corps qui
qui a passé, tu es vraiment dans le... tu vois l'extérieur. Donc tu t'en vas. Troisième tour. Je comprends pas, j'ai réussi à la toucher la bestiole ou pas? Non, tu n'as pas touché, tu as essayé de ramener le docteur Sinclair avec toi, c'est ça ton action, tu m'as dit. D'accord. Non, je voulais la pousser vers la... Non, pas du tout, je voulais la pousser vers la porte et donner un coup pour... En fait, je voulais leur faire gagner du temps pour partir. Ah, moi, j'ai compris, je veux prendre Sinclair avec moi, j'ai compris ça que tu m'as dit. Ah non, mais pas du tout, mais tout l'inverse, je voulais la pousser en fait. Ah, tu voulais la pousser vers la créature ? Oui, oui. Bah, non, pas vers la créature, de l'autre côté de la pièce, quoi, en gros. Oui, bah, c'est un peu ce qui s'est passé, mais le fait est que elle est tombée, elle a loupé son jet, ça a un peu annihilé ton action. Tu vois, ou peut-être en la poussant, elle est tombée et du coup, elle n'a pas pu aller bien loin, vu qu'elle elle a fait un échec sur son jet. Mais le fait qu'elle faisait un échec, elle aurait dû prendre un coup. Elle aurait dû perdre 2 points de corps. Mais grâce à toi, le fait de la pousser ou de la tirer, si tu veux, la protubérance osseuse est passée entre les jambes du docteur et pas dans sa chair, quoi. C'est un peu ce qui s'est passé. Tu vois ou pas? Ouais. Non, mais dis-moi s'il y a un truc... Non, c'est bon, c'est ok. En fait, le fait que tu la pousses ou que tu la tires, pour moi, voilà, c'est... suivant les réussites ou les échecs de chacun, c'est à moi après de jauger ce qui se passe. Si elle avait réussi, vous seriez peut-être proche de la porte. Mais le fait est, c'est que il y a un échec et vous vous retrouvez un peu au même endroit, quoi. Vous n'avez pas trop avancé. Comme tu l'as poussé, en fait, la créature l'a raté quand même. C'est l'avantage qu'il y a eu, le fait de ta réussite, quoi. Mais je peux pas vous accorder le fait de partir s'il y a un échec. Oui. S'il y a eu deux réussites, oui. Mais je négocie pas. Hein, c'est juste que je comprenais pas pourquoi. Vous me répondez pas. Alors j'essaie de vous expliquer la situation pour que vous y voyez plus clair. Quand vous faites des actions à deux, je suis obligé de prendre les deux résultats en fait. C'est un peu le principe, quoi. Que faites-vous? Troisième tour. On a deux échecs pour Sinclair et Philibert. Le troisième, vous êtes inconscient. Ne vous le faites pas. Docteur Misère, que fais-tu maintenant? Je pense que je vais à nouveau brandir mon épée et frapper la bestiole. Hein. Dans l'espoir juste de faire une diversion, quoi. Ce qui devrait fonctionner. 3 pour 3, c'est bon. Donc ça fait 2 réussites. Moi j'essaye de partir du coup. Très bien. Ouf. Une réussite sur toi. Et bah voilà. Docteur Philibert, tu es à terre, tu as pris ce choc encore, hein. La créature vient de te balancer, tu te relèves, que fais-tu? Je me relève et je vais essayer de me barrer par la porte. Hein. J'ai des souris. J'ai décidé de le rater aussi, donc je pense que je vais effectivement partir dans les vapes. Docteur Gisèle. Putain. Je suis dehors, moi? Ouais, t'es dehors. Que fais-tu? Tu peux quand même faire des actions. Est-ce que je vois une fenêtre ou un truc? Je voudrais essayer de faire une diversion, en fait, pour essayer d'attirer la créature de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que tu veux faire comme diversion? Explique-moi. S'il y a une fenêtre, je voudrais péter le carreau, que ça fait... Oui. Très bien. Mais juste péter le carreau? Ouais. Tu peux pas être un peu plus... Ouais, bah écoute, avec quoi, comment... J'attrape un caillou par terre et je le jette dans la fenêtre. Très bien. Donc fais-moi un jet d'esprit. Donc c'est noté. Alors ce qui se passe. Toi, docteur Misère, tu
Bah, tu vois que vous êtes, vous avez pas trop avancé et tu plonges avec ta. Alors, je crois que t'as une rapière, toi, non? Je suis pas sûr en fait. Non, c'était le docteur. Non, c'est une grosse épée avec une tête ah, de avec dragon. Ta tête de dragon, tu balances ton épée hein, de droite à gauche qui cisaille au niveau du bide. Hein. Il y a un peu de ses intestins qui tombent sur le sol. Hein. Tu sais, une espèce de gerbe de viscères qui traîne. Et la créature gueule hein, de ouais, à gorge déployée. Et, du coup, Sinclair en profite pour se glisser vers la porte. Tu bouges un peu tous les meubles et tu arrives pas loin de la porte. Tu arrives à te dégager. Tandis que le docteur Philibert, en se levant, hein, il essaye de fuir. Et là, tu sens encore cette protubérance hein, qui te prend au niveau de la jambe et tu tombes au sol. Alors, tu es inconscient, mais il y a peut-être autre chose aussi. Bah, t'es au sol, tu perds 2 points de corps, il te reste combien de points de corps? Docteur Philibert. Il m'en reste 1. C'est vrai que t'en as 6, toi. Oui. Et en plus, je suis résistant. Et en plus, t'es résistant. Donc, résistant, c'est... Je survis à 0. Ouais, c'est ça. Donc t'es au sol, inconscient. Et pendant que toi, docteur Gisèle, tu balances ta pierre, tu pètes le carreau, hein, et la créature se retourne vers toi, et du coup, ça ne fait pas trop les effets escomptés par rapport à la situation, mais comment je pourrais l'interpréter, ça? Ça peut laisser à docteur Misère un moment pour peut-être fuir avec un avantage, on va dire, si elle veut fuir. Enfin, peu importe ce que tu vas faire, docteur Misère, tu auras un avantage sur ton jeu. Tu auras 2 dés. Quatrième tour. Ouais. Que faites-vous, Misère? Ben, moi, je viens de dire sur ma fiche perso que depuis le début, j'attaque avec une épée alors que j'ai une massue à pointe qui fait 2 dés 6. Voilà. Ah. Donc déjà, ouais, je vais commencer par faire le deuil de mon intelligence. C'est pas faux. Et surtout que si tu dois la prendre, là, t'es obligé ça va te coûter un tour. Hein. Et voilà, donc non. Tu vois, mais de toute façon, ça sert à rien parce tu que as j'ai 2 dés. Donc oui. Voilà. Mais bon, voilà, juste un petit regret sur dommage, cette histoire-là. Ouais, c'est et non, bah, je pense que en fait, je vais utiliser ce moment de. Comme moi, je suis suicidaire, en fait, j'ai un désir de mort. Mmh. Je pense que je vois plutôt là l'occasion de mourir, mais avec un minimum de gloire, quoi. Et je vais essayer de porter un coup fatal à ce qui doit ressembler à sa jugulaire ou enfin l'endroit où je pense trouver une artère. Et voilà. Et je croise tous les doigts de pied. Bon, bah ça fait 9 au total. Je sais pas trop. Si non, t'as 3 et 6. T'as combien en esprit? 3. 3, ouais. Alors tu profites tu vraiment de meilleur, la pierre. C'est ça hein. Je garde le meilleur. Oui. Non, les deux sont comptabilisés. Si t'en as un d'accord. qui est valide, je garde celui qui est valide. Si tu fais les deux okay. valides, là, ça te permet de toi d'en rajouter. Donc à toi de me dire la situation, en sachant que bah tu tues cette créature. Donc décris-moi la pierre. Bah je pense que en fait, Misère va s'élancer avec ce, enfin. Retourner au corps à corps avec cette créature avec une rage du désespoir peut-être dans les yeux, j'en sais rien, et une espèce de sourire morbide aussi parce qu'elle veut mourir, et trancher à un endroit en espérant être transpercée par une griffe ou quelque chose, et voilà. Et du coup elle tranche et elle l'observe peut-être, je sais pas, la créature qui tombe sous ses yeux. Et... Ouais, tombe, il y a déjà ces boyaux qui tombent. Il y a le. Bah, Anselme, hein, c'est pas lui le héros, c'est vous les héros. Donc il a intervenu, mais c'est pas à lui de faire ces scènes. J'ai pas le. Je l'ai pas oublié, hein, je savais qu'il était là, mais il était trop affaibli. Il a essayé de se battre comme il a pu, mais c'est vous. À vous, c'est pas l'histoire à Anselme.
Du coup, il a agi, il a essayé de faire ce qu'il a pu, mais la créature vient tomber. Il y a ces boyaux qui se déversent un peu partout dans la pièce, marre de sang. Il y a le docteur Philibert qui gît dans le sang de la créature. Et Anselme met un genou à terre. Toi aussi, hein, t'es épuisé, t'es passé très près. C'était un point de corps, du coup, très proche de la mort. Pendant que docteur Sinclair et docteur Gisèle sont dehors, en train de regarder par la fenêtre. Que faites-vous? Moi, je pense que je vais m'effondrer au sol. Hein. Ah oui, t'es épuisé. Bah du coup, je vais venir, je vais re-rentrer et je vais regarder Docteur Misère, voir si je peux faire quelque chose. Elle se relève, t'arrives à la relever, elle est épuisée. Elle manque de souffle, mais elle a clairement donné tout ce qu'elle avait sur ce dernier coup fatal. Elle regarde sa masse et elle fait un sourire un peu crispé derrière son masque. Mais vous en sortez bien, quand même. Mais docteur Philibert est toujours au sol. Et il commence à... Alors, faut que je regarde parce que ça, j'ai pas... Il me semble quand tu tombes à zéro... Je suis pas à zéro, hein. Je suis à 1. Ah oui, non, mais quand t'as 3 trucs d'affilée, il y a un truc, mais... Inconscient ou mort au bout de 3 échecs. Donc c'est moi qui décide, quoi. Même s'il lui reste des points de corps. Ah bon. Donc t'es inconscient, mais... Oui, t'es inconscient. Je vais pas te tuer, quand même. J'aurais pu. Mais la comtesse est sympa ce soir. La comtesse va la faire cool avec le nouveau venu. Merci comtesse. Ouais. Que merci faites-vous comtesse pour votre mansuétude. Mais vous le saurez. Ça peut arriver. Vous payerez une bière à l'occasion comtesse. Ouais. Vous êtes ensemble dans ce poste de garde. Anselme te regarde, docteur Misère, et te dit « Comme quoi, vous aviez bien votre place au poste de garde. Vous savez vous battre, docteur. Mieux que moi, même. » Moi, je suis un petit peu KO encore par terre et bof. il parlait à Docteur Misère. Hein. C'est elle qui l'a. Est-ce que le monstre est resté un monstre une fois mort? Oui. C'est un amas de chair qui est. Qui s'étale sur le sol. Moi, je pense que je vais pas quitter la créature des yeux parce que je pense que c'est une opportunité manquée pour moi de périr bravement. Et j'écoute à peine ce que me dit Anselme, mais pendant une petite minute quand même, je restais comme ça avant d'essuyer mon épée d'un bras qui est mou et là avec. C'est l'épée plus basse, ça racle le sol et je vais la remettre à mon flanc. Et en fait, ce que je pense toi t'entends, docteur Gisèle, c'est quelque chose comme la prochaine, ce sera celle, ce sera la bonne. Et je sors penaud de l'endroit. Sortez. Je vais jeter un petit coup d'œil à la créature quand même. Très bien. Est-ce qu'elle a des marques distinctives? Est-ce qu'il y a quelque chose que... Est-ce que je peux apprendre quelque chose sur... Tu regardes, tu...
tu vois qu'il... Elle a une clé autour du cou. Je la récupère. Très bien. Après, les marques, ça fait des espèces de veines violettes assez dégueulasses. La couleur de la peau, il y a des espèces d'écailles. C'est assez surréaliste comme créature. Certaines parties semblent caoutchouteuses, d'autres plus solides. Mais c'est la première fois que vous voyez une espèce de... comme ça. Je montre la clé aux deux autres qui sont dans la pièce. Et je leur dis, vous croyez que c'est la clé de sa chambre ? Eh bien, nous n'avons qu'une seule façon de le savoir. Vous voulez que je vous amène à sa chambre ? Allez. T'enfoiré, il a tué Geoffrey. Il a tué Adeline. Et si ça se trouve, il en a tué d'autres avant. Je vais pas laisser le docteur Misère tout seul. On va peut-être faire 2 et 2. Mais montez. Ça a pas l'air bien. Vous l'avez vu tout à l'heure, il est sorti de sa chambre. Vous savez où elle est. Je vais rester avec le docteur Misère. Très bien. Vous voyez, il prend une chope de vin et avec 2 verres et il vient vers toi, docteur et Misère, et il te sert une coupe de vin sans rien dire et il te l'attend. Je prends. Pendant que vous montez à l'étage. Tous les trois ? Oui. T'es un peu groggy, t'es un peu sonné par ce que tu viens de vivre. T'es très diminué quand même, docteur Philibert. Vous arrivez devant sa porte qui est ouverte. Vous rentrez dans sa chambre. C'est le même style de chambre. Avec ce placard, cette fois. Une paillasse. Et une table, avec une bouteille de vin sur la table. Je m'approche du placard, du coup. Il est fermé. Il est ouvert. Ah. Bon, j'ouvre le placard. Tu ouvres le placard et tu trouves une espèce de coffre en bas. Je le sors, je le montre au vent. Et puis j'essaye la clé dedans. La clé rentre. Tu ouvres et... tu vois des petites sortes de mignonnettes. Il y en a 2. Avec un liquide verdâtre dedans. Regardez. C'est très étrange. Ah, ça doit être des potions d'invisibilité. Tu as dit qu'il y en avait 2. Il y en a 2. Il y en a 2, ouais. Ouais, on les emmène et puis on va bien. Que faites-vous ? Dans la chambre, il n'y a rien d'autre qui attire mon attention. Tu fouilles, tu vois une Bible de l'ordre de Solaria. Rien qui puisse t'aider à découvrir autre chose sur cet homme, si ce n'est ce qu'il vous a dit. Hein. Il y avait juste ce coffre et quelques parchemins ou peut-être si, en les lisant, tu t'aperçois qu'il avait espoir quand même de sauver les adeptes de son culte qui étaient un peu dans un voile avec... en faisant tout pour obéir à cette comtesse et à qui s'est apparemment bien joué de lui, qui a été manipulé et qui a subi une malédiction. Au fond de lui, en lisant ses dires, tu t'aperçois que c'était un homme bon. Qui a été transformé, qui a
Oui, il a mal tourné. Qui a voulu croire à quelque chose de bien, mais je pensais que ses actes allaient être récompensés, mais la comtesse s'est jouée de lui. Tu ne trouves rien d'autre dans sa chambre. C'est quand même incroyable de croire que on puisse aboutir à quelque chose de bien en assassinant des gens. Pour un prêtre, c'est un peu... C'est un peu un échec. Il a vu ce qu'il méritait, finalement. Il avait une sorte de schizophrénie quand vous l'entendiez parler. Il y avait quelque chose qu'il n'acceptait pas de par rapport à ses actes, hein, comme il vous a dit. Et quand tu relis un peu tous ces parchemins, tu t'aperçois que ça fait un moment qu'il lutte avec cette maladie. Ça fait un moment qu'il subit ce genre de troubles. Bah on va dire qu'on l'a guéri. Vous l'avez guéri, en quelque sorte. Mais on aurait pu tous vous guérir aussi. Ce soir. Ça c'est. Oui, c'est pas passé loin, mais. En fait, je me rends compte que le fait d'être à 4, ça vous donne une chance un peu supplémentaire, mais en même temps, ça crée d'autres situations supplémentaires. Bah oui, mais bon. Ouais. Le nombre de 6 qu'on a fait est assez élevé. C'est vrai. Au début, là, je vois le tableau du début. Heureusement que Cardoni n'était pas avec nous. Ah oui, bon, ça fait le from the loop. Ouais, au début, le premier tour, ouais. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, ouais. Si je trouve rien d'autre, je vais redescendre. Très bien. Que voulez-vous faire? Il est 4h du matin. Dans... ce poste de transition. Vous êtes ici. Encore en vie. Pour l'instant. Moi, je pense que je vais avoir discuté avec Anselme et essayer de le convaincre d'abandonner son poste pour rejoindre un autre poste d'avant-garde, mais plus proche de notre... Oui. Voilà. Bah, il t'écoute, il est seul, il est plus... Et avec le mot, tu sais, qui explique le truc de la comtesse et tout. Je peux amener ça au roi, si vous le désirez. J'espère qu'il vous recevra, vous trouverez... Enfin, peut-être que le docteur Sinclair devrait signer de son nom. Après tout, c'était une enseignante fort rigoureuse qui a été reconnue pour ses talents. Avez-vous un laissez-passer pour le roi? Je peux peut-être le prendre et m'en servir. Il me recevra. Ah, malheureusement, nous avons perdu nos laissez-passer. Vous savez, le roi nous a laissé... croupir ici pendant 4 mois. Je n'ai pas vraiment confiance en cet homme, même si c'est le roi, mais... nous laisser nous débrouiller de la sorte... je ne l'oublierai jamais. Et... le capitaine est sûrement devenu fou. Il ne l'avait jamais vu comme ça. La folie s'est emparée de lui. Je ne sais pas où il est, mais qu'il soit maudit. Jamais il aurait dû partir. C'est un peu aussi à cause de lui si j'en suis là. Mais bref, vous avez raison. Je vais pas rester ici tout seul à mourir de maladie ou je ne sais pas quoi. Je vais partir. Quand t'es au monde. Qu'allez-vous faire, vous, docteur?
Eh bien, nous allons. J'imagine que tout le monde arrive à ce moment-là et j'imagine que nous allons faire route vers Saint-Voile. Alors, bonne chance. Vous en aurez besoin. Et du coup, il prend un des chevaux qui reste. Il vous fait signe. Et part direction vers l'ouest. En toute hâte. Du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. Logiquement. Bon, après, vous avez appris des choses ce soir quand même. Bah oui, parce qu'aller aller à Sainte-Voile, ouais, voir la comtesse, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Elle m'a l'air un peu dangereuse, cette comtesse. Ouais, il va falloir qu'on la confronte. Oui. Moi, je viens de lire les deux. 6, 7, 6, 8. Bon chance. Et ben, je propose qu'on choisisse pas ce soir, parce que de toute façon... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est juste... si c'est juste choisir entre 6, 7 et 6, 8, on n'est pas pressé. Ouais. Franchement, moi, je ferais le tour, en fait. Je passerais par 5, 8, 6, 9. J'éviterais ces deux cases. Non, on va y aller. Direct. C'est un choix. Ça sera pas mieux, je pense. Plus on s'approche, plus ça chie. Ben oui, ils disent, plus vous approchez. Donc là, vous êtes à une case, donc c'est peut-être pour ça. Mais les deux cases que je viens de lire, c'est mortel. Est-ce que cette case-là, elle était mortelle ou pas trop? La 6, la combien? La 5, 7. Attends, je vais la relire. Parce que... Oui. Pas tant que ça, mais ça aurait pu. Ça dépend. Bon, bah c'est bon, on peut y aller. Hein. Et puis à ça, ouais. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Tu t'avais pas dit que les points de corps, on les récupérait si on changeait de case, non? C'est pas ça? Si. Vous récupérez un point de corps par changement de case. D'accord. Bah on va changer deux fois. On va aller à la 6-8, mais vite fait. Et ensuite, on va aller à la 6-7. Tu sais, on va se tenir sur la frontière, mais entre les deux. Et si je saute sur place, non. Ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Après, vous pouvez... je regarde. Les soins, c'est selon mon humeur. Selon ce que vous allez préparer, si vous voulez vous reposer quelque part, moi, je peux vous redonner des points de corps. Ça peut jouer comme ça. Donc on verra. Moi, je me par dis, en fait, on peut aussi se dire qu'on reste là où on est, on crame le monstre et on reste quelques temps là, le temps de se refaire et hop. Vous pouvez. Hop. Oui. Ouais, on peut. Ensuite, on va mourir ailleurs. C'est peut-être mieux de faire vous reposer, une pause, de faire une pause en sorte pour se reposer, oui. Là, on est au sec. On est au sec et il y a un petit peu à manger. Bon. Et ce soir, je ne vous compte pas ceux qui ont été blessés par la créature, les G, par rapport à la contamination. Bah, de toute façon... Ouais, on a compris, hein. Donc, Docteur Misère et Docteur Sinclair auraient dû avoir ce G-là. Mais je ne vous le compte pas, j'évite. Mais... normalement... Bah, c'est comme ça que j'ai perdu une partie de mes comparses, hein.